ouvert à tout le monde. Les gestes de premier secours sont ouverts aux enfants de plus de 14, aux adolescents de plus de 14 ans en fait. Donc c'est ouvert à tout âge, hein, c'est au grand public. Alors, les gens qui participent à cette formation vont apprendre d'abord à donner les secours en fait, à appeler les secours, mettre en PLS, faire un massage cardiaque, arrêter une hémorragie en 2 heures de temps parce que la durée du stage est assez courte. Donc on essaye d'englober le maximum en 2 heures de temps. Comme on est sur un premier geste de secours, derrière suit une formation PSC1 pour les personnes qui pensent en faire un peu plus au niveau des secours et rentrer pourquoi pas au niveau des sapeurs-pompiers ou dans des autres organismes. Faire connaître le CIS aussi en plus et permettre peut-être une vocation à l'avenir de sapeurs-pompiers si les personnes veulent s'impliquer un peu plus. On leur remet une attestation de participation au premier geste de secours donc qui vient du ministère et donc qui est signée par le formateur. Et c'est une petite attestation qui fait plaisir aux stagiaires.